Depuis quelques semaines, j'ai repris la lecture d'ouvrages tels que Événements des derniers jours, Tragédie des siècles ou Grand espoir, dans des chapitres qui nous parlent des événements qui devraient arriver dans les années à venir, le mal qui sera fait à tous ceux qui sont fidèles au Seigneur, à ceux qui gardent ses commandements, et en particulier le sabbat. Et en lisant ces passages, je me suis rendu compte que cela pourrait générer une certaine inquiétude, voire même un peu de panique. Et j'aime beaucoup ce verset de Jérémie 31, verset 3, qui nous rappelle que l'amour que Dieu a pour nous est sans faille. Je t'aime d'un amour éternel. Et le mot éternel, pour moi, est très important dans cette phrase, puisqu'il signifie que, au-delà de ceux qui ne meurent pas, il y a bien plus. Il y a un amour qui n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Donc un amour qui existe par lui-même, pour moi. Et c'est ce que Dieu veut m'offrir. Donc peu importe ce qui va arriver, ce qui arrive, il me dit, continue à garder à l'esprit que je t'aime et que je serai toujours avec toi matin, midi et soir. Et même dans les moments les plus sombres de ta vie, appuie-toi sur mon amour. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pour cela que je te conserve ma bonté. Que Dieu vous bénisse tous.